quelle heure? On parle de quoi? Il est minuit et demi. Oh mon dieu, on lance une capsule à minuit et demi. Tain, tain, tain. Ah ouais. Comme coupé kick, ça fait peur. Mais je sais pas ce qui se passe après minuit et demi. Il a mal noté l'heure. C'est parfait. Et super. Oui, mais le pauvre, il est tard. C'est pas sa faute. Super. T'avais noté minuit 25 pour le sujet présent et il y avait pas d'heure pour Apple. Bon, on va parler de la reine des simps. Et non, je veux pas parler de Lilith ou de Prune. Non, on va pas. Oh mon dieu, j'étais sûr que c'était elle. On va parler de Thaïs. Putain de merde. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Alors, Thaïs, pour ceux qui ne connaissent pas, on va parler de Thaïs Descuffon. C'est une influenceuse qui vient du milieu militant de la droite. C'est une personne qui vous vantera les mérites, comment ça s'appelle, de la culture de la femme au foyer et toutes ces conneries, monsieur. Alors que c'est une influenceuse qui vit grâce à ses simps et qui a tout d'une meuf qui twerk sur Instagram, monsieur, mais qui essaye de faire croire à ses simps qu'en fait, non, elle incarne d'autres valeurs, alors que le seul truc qui lui manque, c'est un OnlyFans. Mais donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Thaïs a récemment débarqué et comment ça s'appelle elle a... Bon, attends, tu sais quoi? Est-ce qu'on peut se mater la vidéo? Vas-y, tu sais quoi? Thaïs Descuffon. Un peu de contexte. Après, maintenant, elle est très décriée à droite aussi. Hein. Ah oui, mais en même temps, quoi. Je crois que c'est celui-là, c'est comment attirer une femme de haute valeur. Oh, vous savez quoi? On va se mater du Thaïs. Ah, tu sais quoi? Ça va être sûrement... Pierre, on a fait assez de capsules, allez, là, on est bien... On passe en réact. On peut se mater la vidéo et tout avant de réagir. Rien nous empêche d'en coller une autre demain. Après-demain. Tranquille. Donc, mesdames, mesdemoiselles, un messieurs, peu de détente. On va se mater du Thaïs. Allez. Et là, il y a tous les gauchistes, si tu veux, qui sont comme ça en mode oh, il va taper sur du droitard. Ben oui, mesdames et messieurs, parce qu'il n'y a jamais une personne qui vous déçoit plus qu'une personne qui est censée être de votre côté, tu vois. Je suis censée être de droite, cette connasse aussi, ouais, tu vois. Moi, je la mets au même rang. Bon, c'est pas vraiment un sujet de... Ah bah, si. Mais c'est un sujet dont sont par certaines personnes à droite, en fait, c'est le pas sujet, un sujet est, qui intéresse beaucoup de gens à droite. Le sujet, il n'est pas politisé. Je suis d'accord avec toi. Il va au-delà, normalement, du carcan politique. Le problème, c'est que comme il a été récupéré, si tu veux, et utilisé par certaines sphères, c'est un peu compliqué, si tu veux. Je suis dans un leurre connu en voix. Ça va, qu'est-ce que c'est que ça? Les chevilles, là? Non, mais dis donc. Bref. Du coup... J'ai vu une autre influenceuse de droite lui rentrer d'ailleurs un peu dedans à ce sujet. Oui, ça ne représente pas les valeurs de toutes les femmes de droite. C'est vrai. Ah oui, non, mais complètement. J'aimerais faire un disclaimer, mais c'est juste du Thaïs Descuffon. Let's go. On t'écoute, Thaïs. Si vous comptez sortir du célibat, ne comptez pas. Non, c'est bon. Allez, ciao. Pas sur la chose. À l'époque. Déjà, t'as perdu au premier truc. Ah, putain. Il reste plus que moi. Allez. Je vous laisse avec Pierre. Hein. Moi, j'ai rien à foutre. Hein. Moi, ils m'ont posé le truc. C'est bon. Hein. De nos parents, moi, je me sens encore un peu concerné. C'est ça. S'il faut que je me dépêche. On m'a appris ce que c'était un homme sigma. C'est un homme alpha, mais qui a pas faim, d'après ce que j'ai compris. Merde. Donc moi, ça fait quoi? Alpha. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis un Zeta Sigma, du coup. Et un peu bêta, il faut admettre. Ouais, clairement. Si vous comptez sortir du célibat, ne comptez pas sur la chance pour y arriver. À l'époque de nos parents, il suffisait d'avoir deux bras, deux jambes et d'être capable de dire son nom correctement sans se tromper pour se trouver quelqu'un. Mais ça, c'est... Quoi? C'est faux. Mais c'est faux, madame. C'est faux. C'est factuellement faux. Mais madame, mais dans quel monde tu vis? Fallait une dot. Mais qu'est-ce que... Mais ouais, voilà, fallait une dot. Tu sais, avec une dot, ouais, c'est un peu comme quand tu débarques dans une école privée avec ton chéquier. T'as pas besoin de passer le test. Ben bah, là, c'est pareil. Exactement. De quoi tu me parles? Dire son nom et son prénom? C'est fini. Entre Tinder, Instagram et le féminisme, vous allez galérer. Mais quel est le rap? Ah, mais t'es conne? Excuse-moi. Tu rencontrais des gens dans la vraie vie, tu connais? Parce que, enfin, je sais pas, moi, mes relations, je me les suis pas faites en chopant du Tinder ou de l'Instagram ou quoi que ce soit. C'est parler à des gens, soyez sociable, j'en sais rien, moi. Si vous êtes un homme ordinaire, désolé de la mauvaise nouvelle. Ah non, moi, je suis le grand raton, meuf, de quoi tu parles. Mais il y a une bonne nouvelle. Je sais qu'il est possible d'apprendre à devenir extraordinaire et attirant et que n'importe qui peut le faire à condition d'être prêt à remettre vos certitudes en cause. Et si vous pensez que vous pouvez y arriver par vos propres moyens, vous pouvez fermer cette vidéo et réécrire votre bio Tinder pour la 52e fois. Peut-être... J'ai jamais écrit une bio Tinder, espèce de salope condescendante. Attends, oups, excusez-moi. C'est parti si vite. Que ce coup-ci,
ça va marcher. Si vous faites partie de ma génération, vous avez hérité, sans le savoir, d'un boulet invisible de 3 tonnes attaché à votre cheville qui va transformer la balade des relations en parcours du combattant. Et ne comptez pas... Excusez-moi, faut que j'arrête de tirer, en fait. Titre pas sur la télé, Netflix ou l'éducation nationale pour vous aider à surmonter ces deux problèmes. Mais avant de vous révéler quels sont... Attends, qu'est-ce qu'elle a dit ? L'éducation nationale pour vous aider à surmonter... Et ne comptez pas sur la télé, Netflix ou l'éducation nationale pour vous aider à surmonter ces deux problèmes. Mais attends, mais ma mère, elle est prof, elle va pas apprendre à ton fils à pécho, meuf. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Attends, la meuf, elle te réunit CNews, Amazon Prime et le bac au même endroit, elle te dit « Tu seras pas formé par ces trois-là. » Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est McKay. Mais avant de vous révéler quels sont... Elle, c'est aussi ton ex ? Alors, non. Je pense qu'elle le prendrait mal, si tu veux, avec ma gueule d'Afghan. C'est Thaïs, sors ensemble ou pas Attends, quoi, t'es sérieux? Ah putain, ah bah oui, du coup, ce serait l'interdit. C'est le charme oriental et tout. Ma longue chevelure soyeuse. Ah ouais, c'est alors, qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est veux-tu caresser ma chevelure de berbère? Oh putain, j'en peux plus. Tu es même pas berbère. Mais non, je suis pas berbère. Par contre, tu viens d'un pays qui fait des tapis aussi. Ah, bravo. Et oh, attends, et la vision de la femme dans le couple, je viens d'un pays dont la vision est compatible avec celle de Thaïs. Ouais, ouais. Ma chère Thaïs, si tu veux, je t'apprends ce que c'est femme au foyer. Ah, les femmes de Kaboul valeur style. Là-bas. Les femmes de valeur à Kaboul, ça file droit. Voilà. C'est, de gré ou de force. Ça file droit, sinon c'est gravier dans la gueule, si tu veux. T'sais. Donc du coup, c'est comme tu veux. Si tu veux, si ton modèle il te plaît, on va à Kaboul et on se marie, meuf. Hein. Là-bas, elle serait un peu délurée déjà. Ah oh, mais non. On voit ses épaules. Normalement. On voit ses épaules. Elle passe pas le checkpoint. Elle passe pas le checkpoint de l'aéroport. Oui, mais écoute, le respect est mort ce soir. Ah oui, c'est vrai. Attendez, bougez pas. Tac, 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 tac. Tu sais que je fais de plus en plus de tac tac et je te déteste. On avait pas dit qu'on arrêtait les parodies? Bah si, ma méné, mais bon, là, actuellement, il s'est passé un truc de ouf, là. Sérieux, Swan? T'as taqué, Swan? Le respect est mort ce soir. Voilà, c'est tout, je voulais ça. Du coup, on reprend. Courage, Swan, Tata Kae. Formation de speaker pour Swan qui visiblement passe sur une soirée assez mouvementée. Reprenons. Ces deux problèmes, laissez-moi vous poser une question. Votre femme idéale, elle est jolie et elle restera à vos côtés. Okay. Mais c'est pas un meuble. Ok, mais est-ce que vous savez quel... non mais attends. Ah que t'es con. Non, mais, là, oh, je m'y attendais tellement pas, celle-là. Mais attends, mais l'autre est... Ah, mais... oh, c'était pas un meuble. Nos condoléances... T'as pas raison. Oh putain, elle est tombée, elle a 37 ans. Wow. Condoléances, Swan, on espère qu'on va te changer les idées. Mais je sais pas, elle vient de parler d'un être humain, en mode, j'ai l'impression qu'elle me parlait d'un meuble Ikea. Tu sais, enfin, écoute. Elle est jolie. Elle restera à vos côtés. Elle est jolie, elle restera à vos côtés. La nouvelle Clio. La table qui est devant moi, tu vois, elle est jolie, elle reste à mes côtés. Ok, mais est-ce que vous savez quel genre d'homme va attirer cette femme de qualité, ce que j'appelle moi une... Le raton afghan. Une femme de haute valeur. Je vous s'appelle Pierre. Attends, une femme de haute valeur, putain, si elle a une formulation comme ça, ça veut dire qu'à un moment, elle va nous sortir FHV. Elle va nous... Fidèle. Oh, je te parie qu'en soi, c'est une espèce d'acronyme et qu'elle va nous sortir FHV. Sinon, elle ne nous sortirait pas une formulation comme ça. Ah frère, moi les formulations commerciales de merde, j'arrive à te les spotter à 8 km. Pour moi là, elle vient de te sortir ça, c'est un élément de langage qu'elle va te répéter pendant toute la vidéo. Par contre, t'es un génie des freeze frames, hein. tu fais pas exprès. Ah bah, alors là, comme vous pouvez le remarquer, c'est souple et mollasson. Du coup, reprenons. Et vous pouvez remarquer ses pupilles. Oui, alors... C'est une femme de haute valeur. Là, c'est des pupilles normales. Les pupilles sont normales. N'est-ce pas, Macron? Vous voyez la différence? Ce que j'appelle c'est moi... des trous de pine. C'est qu'il y a un truc qui cloche. Femme de haute valeur. Vous allez me répondre que oui. Mais si vous deviez me donner la liste précise de ce qu'il faut pour devenir cet homme de qualité,
ça devient tout de suite plus difficile. Et même si... Je sais pas, savoir s'assumer, avoir Porsche. Confiance en soi, être indépendant, autonome, si tu veux, être respectueux et pas violent avec les gens, je sais pas, Porsche. Au hasard. C'est, rien que déjà, tu remplis ces conditions, normalement, si tu veux, ça devrait bien se passer. Mais en fait, on peut continuer et vendre des trucs à 20 balles, hein, si tu veux. Au pire, je te fais un PDF et puis voilà. Si vous arriviez à me donner cette liste, la réalité, c'est que votre méthode pour devenir cet homme de valeur... Avec ChatGPT, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Pas. Comment est-ce que je le sais? Parce que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Ah non, 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 ma fille, je suis désolé, il y a méprise. Je suis pas là pour apprendre à te pécho. Je suis pas là pour t'acheter 20 balles. Attends, ou quoi, attends, wow, va pas trop vite. Quoi, oui, mais elle est jolie, mais la flemme. Oui, d'accord. C'est là que le boulet invisible que j'ai évoqué juste au-dessus va se faire sentir. Votre boulet invisible de 3 tonnes, le voici. Jamais personne ne vous a expliqué comment fonctionne une femme. C'est Thaïs qui va m'expliquer comment fonctionne une femme. Eh ben écoutez, je prends, et puis si jamais je me comporte comme un sagouin dans ma prochaine relation, je dirais, je suis perché, c'est Thaïs. Les médias ou la culture de masse, tout le monde vous a menti sur les mécanismes de la psychologie. On vous ment ! Psychologie féminine depuis que vous êtes né. Et si vos parents sont des boomers, leurs conseils vous ont rajouté une tonne de plus à ce boulet. Les filles bien... Enfin, toute personne qui a ta tranche d'âge a un parent qui est boomer, en fait. Moi, je préfère ne pas me prononcer. Alors, est-ce que me semble largement visé. Alors, bonjour. On appelle boomer ceux qui sont nés durant le baby boom. C'est tout. Ah, ça va alors. Donc, du coup, si vous êtes né entre les années 60 à 80, vous êtes des boomers. Mais c'est pas une appellation négative, en fait, 80. De base. Merde. C'est du... Merde. De quoi t'es au-dessus? Soldaton. Ah, putain. Donc, du coup, il y a pas de problème à être boomer, en fait. C'est juste, ça veut juste dire que vous êtes né entre 60 et 80. Non, c'est bien. C'est... Ça fait. Il y a un problème à être millennials, par contre. Si vous êtes né après les années 2000, vous cassez les couilles, frère. Bien préfère les mecs gentils, le mec moyen de la conquérir. Je déconne, c'est une blague. Conquérir, c'est la bonne lumière de Z. Pour se rapprocher d'elle et de lui montrer votre valeur. Déclarez-lui votre flamme et elle succombera à votre honnêteté comme dans une comédie romantique. Tout ça, ce sont des grosses conneries. Combien de séries mettent en scène un héros qui est follement amoureux de la fille parfaite et... Mais alors, normalement, quand t'es bien constitué, tu prends pas une fiction comme étant un tutoriel pour ta vie. Parce qu'un strain là, en fait, il faudrait que je croie que je suis dans une simulation avec des câbles plantés dans des trous dans des bras et des tuyaux dans la bouche, tu vois. Et non, en fait... Wow, ça me rappelle un film. Ouais, je pensais à Matrix, moi. Mais toi, tu pensais pas à Matrix. Ouais, moi aussi. Toi, tu pensais à Matrix, c'est ça? Alors oui. Ouais, voilà, ouais. Non, Matrix. Non, tu pensais... J'avais eu un doute à un moment. Tu pensais à Matrix. Je vais remater les deux tout de suite et je te dis après. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, ouais, on se retrouve dans 6 heures, du coup. Ou 9 heures, hein, comme dirait Cameron. Il devient son ami pour arriver à la conquérir après des mois et des années d'efforts pour lui montrer qu'il est gentil et sans danger. Je sais pas moi, des centaines ? Et combien de fois ce scénario se produit dans la vraie vie ? Je crois qu'on peut arrondir à zéro. Vous avez hérité du boulet invisible sans le savoir. Oui, et puis en fait, à force de répéter des conneries, en fait, on se retrouve avec des mecs qui pensent que l'amitié homme-femme, c'est pas réalisable. Donc du coup, en fait, on se retrouve juste avec des dalleux qui traînent avec des nanas dans le but de les sauter. C'est... Tu peux en parler du coup de ça ou non, en fait, c'est plus rigolo ton approche. C'est pas de votre faute. Moi aussi, j'ai grandi avec la tête remplie de mensonges et d'idées fausses, et je suis une femme. Alors... Imaginez pour l'homme moyen. Mais résoudre ces deux problèmes, c'est de votre responsabilité. Et c'est aussi la mienne. J'ai créé ma chaîne YouTube il y a 2 ans. Au début, j'évoquais de nombreux sujets directement politiques. Immigration. Les noirs, les arabes, les noirs, les arabes, les noirs, les arabes, les poires et les arbres. Islamisation, insécurité. J'ai également voulu... Les noirs, les arabes, les poires, les arbres. Challenger la droite, ma famille politique, sur un certain nombre d'idées préconçues, comme... Les noirs, les arabes, les noirs, les arabes... Oui, on a compris, Thaïs. Comme le mirage de l'assimilation, ou la... Les noirs, les arabes, oui, on a compris, ouais. Culpabilisation des Français sur la colonisation, bref. Ouais, les noirs et les arabes, on a compris, oui. Je recevais beaucoup de mails et de messages privés pour me féliciter de mon travail et de mon courage. Mais une fois sur deux, mes abonnés me faisaient part du même problème... Ils voulaient te sauter, c'est ça? Il n'y avait pas grand-chose à voir avec les thèmes que je traitais. Ben oui, en fait, parce que t'as une armée de simps et ils t'écoutent pas, ils font juste que te mater. Et je suis désolé pour toi, si tu veux, parce que s'il faut, t'es vraiment engagé, si tu veux.
Et genre, s'il faut, tu vois, t'as vraiment des idées politiques. Mais en fait, t'es consciente que ton armée ne t'écoute pas. Ton armée, le seul truc qu'ils veulent, c'est que t'ouvres un putain d'OnlyFans. Et juste, entre nous, ma chère Thaïs, est-ce que t'es consciente de l'argent auquel tu dis non en ne créant pas une chaîne OnlyFans? C'est, on va parler de droitard à droitard 15 secondes. On va parler de business plan. Tu m'expliques pourquoi tu te fais pas des couilles en or avec un OnlyFans? Je veux dire, t'as une commu de simp. Il y a un moment, les gars, ils sont assez cons pour te payer 20 balles pour que tu leur expliques comment pécho au Subway. Il y a un moment, prends-toi juste en photo avec ton kawaii, hein. Ils vont payer 30 balles par mois, hein. T'inquiète, c'est des simps, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils constataient un truc. Alors que ils avaient faim et ils avaient pas moyen de grailler. Femmes constituent 50% du genre humain, pas une seule ne leur semblait compréhensible. Oui, mais Thaïs, elle me comprend au moins. Quand je l'écoute, je vois qu'elle pense pareil que moi. Que sauver la France leur semblait plus réaliste que de se trouver quelqu'un. J'ai compris. Ils sont trop cons, ma parole. Durant des années, on leur avait fait croire qu'en étant gentils et bien élevés avec les femmes, ils parviendraient à trouver une femme de valeur avec qui fonder un foyer. On leur avait caché que ces méthodes dataient... Oh, je le sens tellement venir, le FHB. Oh, je sens tellement. Frère, elle arrête pas de dire femme de valeur, femme de valeur, femme de haute valeur. Et du 19e siècle ne fonctionnait plus du tout dans notre époque moderne, à l'heure des réseaux sociaux et de l'hypergamie des Oui, mais moi, je voulais pécho comme au Moyen-Âge, et puis du coup, je peux pas le faire avec Tinder. Non, mais je comprends pas, c'est quoi votre projet, les gars? Alors qu'avec un cheval et une armure, ça marche très bien. Mais c'est ça, c'est FHV, c'est une MST, ouais, c'est la Thaïs Desculpion. Ce n'était pas de leur faute. Les vrais coupables, c'est tout le système médiatique. Ok, Joker, oui, vas-y, on vit dans une saucisse. Politique qui leur a fait croire que les... Parce que tu vois, en fait, tu vois, tout ça, là, ce qu'il vient de dire, les systèmes médiatiques, politiques et toutes ces conneries, comme chacun le sait, c'est vraiment une invention de 2024. C'est un truc, ça n'existait pas avant. Les systèmes non. politiques, franchement, du temps de nos grands-parents, ça n'existait pas, bien évidemment. Les médias, non plus. L'image de la femme dans Peut-être la pub. Le roi de France, tout ça. Non, mais c'est ça. L'image de la femme, tu vois, par exemple, elle a été inventée avec Instagram, tu vois. Faut le savoir. Avant ça, il n'y avait jamais aucune femme qui avait été peinte. Il n'y avait jamais aucune femme qui avait eu un personnage dans un... Femme n'avait été retouchée sur un tableau à l'époque. Exactement. C'est incroyable. Tout ça, là... Oh putain, ce Free Phrase, mais il est incroyable. Celui-là, il est incroyable. Celui-là, t'en fais un... Celui-là, t'en fais un même, tu vois. Celui-là... Allez, let's go, Twix, on va voir. Bon, alors, attends, bouge pas. Alors, tac, bougez pas. Quelle heure il est? Va falloir vous dépêcher, les gars. Allez, 20 minutes. Twix, 20 minutes. Fais ton truc. Voilà, il me faut l'adresse du lien, bien évidemment. Tac. Ça a été bien sûr prévu. Nous sommes des. Ouais, bien sûr. Tu peux le mettre dans les deux autres chats, s'il te plaît. Affirmatif. Merci beaucoup. Je l'ai mis dans le chat YouTube. Bref, continuons. Sinon, on n'y sera jamais. Femme de valeur recherche un petit chien bien dressé ou au contraire. Qui quoi? Qu'elles vous accepteront comme vous êtes. Pour le dire autrement, si la société avait fait une conspiration pour organiser la solitude masculine, elle ne s'y serait pas prise autrement. Non. Ce petit rire. Oh putain, c'est marrant, moi je pensais que le problème c'était qu'il y avait certains queutards, si tu veux, qui avaient un peu trop la dalle, qui se comportaient comme des sagouins et qui prenaient un peu trop la jambe féminine pour des trous ambulants. C'est marrant, moi je pensais que le problème c'était ça, mais continuons. Au même moment, un épisode charnière survient, qui me fait comprendre tout ça en profondeur. Je découvre un livre, L'amour et la guerre, de Julien Rochdy. Oh putain, je sais même pas pourquoi pendant 5 secondes j'ai cru qu'elle avait lu un vrai truc. C'est d'accord, donc t'as lu du Julien Rochdy, dis-nous tout. Grâce à ce livre, j'ai le déclic. Je comprends le lien entre mon ancien combat pour l'identité et le problème de la pandémie de célibat. Vous voulez plus de déclic? La pandémie de célibat, y'a rien qui va. Détail sur ce moment déclic, j'ai fait une vidéo exprès dessus. Le moment déclic, c'est... Non. Oh, putain, mais tu sais quand elle me dit « Ah, j'ai eu un déclic quand j'ai lu du Rochdy », j'ai l'impression que t'es passé dans son pieu, mais bon. Mais comme la vidéo que vous regardez ne va peut-être pas rester indéfiniment en ligne, je vous conseille d'aller voir l'autre une fois que vous aurez fini de regarder celle-ci. En tournant la dernière... C'est ça ce qu'on appelle un placement de produit. ...page de ce livre, toutes mes idées se mettent en place et je prends conscience de la catastrophe qui guette la France et l'Occident tout entier. Les hommes et les femmes sont incapables de se parler et de se comprendre. Non, c'est les êtres humains qui sont incapables de se parler et se comprendre. Ce serait super simple de résoudre ça en mode... Oui, ben les hommes, ils arrivent à se comprendre, et les femmes, elles arrivent à se comprendre entre elles, mais c'est quand ils discutent ensemble que ça va pas. Non. Tu veux un exemple? Va dans un environnement professionnel uniquement féminin. Et regarde.
C'est, et là, toutes les meufs qui ont déjà bossé dans un environnement, comment ça s'appelle, professionnel, exclusivement féminin, là, elles vont popper dans le chat en mode c'est l'enfer, on oublie. On oublie. C'est pas une question de homme-femme ou quoi que ce soit. C'est une question de les gens se comprennent pas. C'est, tu vois, merci Agnès. C'est, tu allais dire, Pierre ? J'ai travaillé dans les deux ambiances. J'ai travaillé dans des milieux exclusivement féminins où j'étais le seul homme. Et j'ai travaillé où il n'y avait que des hommes. Et c'est vrai que dans un milieu qui est exclusivement féminin, c'est chaud. Non, mais c'était un exemple c'est comme chaud. Ça qui me venait à l'esprit, si tu veux. Mais c'était juste pour dire. C'est pas le problème communication homme-femme, personnellement. Je pense que l'être humain, en soi, c'est un animal sociable qui ne sait pas communiquer. Donc du coup, ce serait trop simple de résumer ça. Mais tu comprends, en fait, on ne se comprend pas et tout. C'est à cause du gène de différent et tout. C'est trop simple. C'est la grande séparation. Quoi ? La grande séparation ? C'est qu'est-ce qui... Mais laisse-nous parler du grand bétonnement et du grand atonnement, tu vois. Pareil, les Occidentaux ne sont même plus capables de fonder des familles. La preuve, c'est qu'en 2023, la natalité française a été la plus basse depuis 1946. Et oui, bien évidemment, comme Claqué au sol le dit, bah, quand t'es une meuf au milieu de, dans un milieu uniquement masculin, je te raconte pas le cringe, ah bah, y a l'impression de passer pour une espèce de bout de viande, tu vois, tu sais. C'est, moi, je me souviens quand, par exemple, en 2018, si tu veux, on avait, comment ça s'appelle, bah, une collaboratrice qui était rentrée dans le crew et tout le bordel, et justement, elle était rentrée dans un environnement qui était que masculin. Premier truc que je lui dis, c'est t'es pas un bout de viande ici. Le premier qui vient pour essayer de te draguer, tu me dis et je lui tombe dessus. C'est t'es pas un bout de viande ici, si tu veux. C'est hors de question. Donc du coup, oui, ça dépend de l'ambiance quand tu rentres dans un dans, comment ça s'appelle, dans un environnement, bien évidemment. Du coup, ça s'est passé comment avec Toto ? Bah, Toto a dit putain. Et puis voilà. Tu fais chier avec tes règles. Non mais Toto, le jour où il est rentré dans le crew et que je lui dis, tu sais, la première règle, c'est on touche pas à la commu. Il m'a dit, je m'en fous, on n'a pas de commu. Je fais, c'est vrai. Par contre, on touche pas aux membres de l'équipe. Il a fait, putain, il y a des membres de l'équipe. Je fais, oui, c'est vrai. Et du coup, voilà. Et depuis, il est deg. Du coup, on reprend. Pire... C'était Lilith. Non, j'engage des personnes compétentes. C'est, Oh, ça dépend ce que tu lui dis. Quoi, j'ai déjà dit que les coups d'un soir, ça m'intéressait pas. À quel moment vous me proposez une pipe, vous croyez que je vais dire oui? C'est qu'est-ce que tu veux que je te dise? Reprenons. C'est que ce chiffre contient toutes les naissances issues de l'immigration. Et justement, en parlant d'immigration, le danger du grand remplacement se fait chaque jour. La grande séparation, le grand remplacement. On mélange tout. On mélange des bourses trop pleines avec des flux migratoires. J'en ai rien à branler. C'est Avengers Endgame ce soir, les frérots. Plus proche. Je comprends que la clé de notre salut réside dans ce que j'appelle la grande réconciliation. Non, mais c'est... Et la grande tarte dans ta gueule. T'en penses quoi? Sans déconner. Non, mais la grande séparation, le grand remplacement, la grande réconciliation et la grande tarte dans ta gueule. Il y a un thème. T'en penses quoi? Et après, c'est quoi? C'est la grande bite de pierre, c'est ça? J'aimerais comprendre, en fait. C'est un peu ça que je me demandais. T'es là, moi, je le vis un peu comme un appel. Oui, normal. Je comprends que la clé de notre salut réside... C'est le grand bitonnement. ...dans ce que j'appelle la grande réconciliation. Mais autrement dit, travailler au rapprochement des hommes et des femmes de mon peuple pour qu'ils puissent de nouveau construire des familles solides et que les hommes de mon pays, une fois cette mission remplie, puissent œuvrer à lutter pour la protection de l'identité de la France. C'est moi ou elle vient de proposer le truc que Macron, là, il nous a dit il y a 3 semaines quand il nous a dit « vous voulez pas baiser pour faire des gosses ?» C'est le même programme, on est bien d'accord. Le programme, là, c'est que c'est qu'ici, non, parce ça que Macron, baisse sur... Non, ouais, comment ça ? Non, mais là, c'est que des blancs. Hein. Ah, là, c'est que des blancs ? Avec Taïf. Ah, d'accord. Là, c'est que des blancs. Attends, t'es en train de dire que moi, j'ai pas le droit de baiser ? Je m'en fous en même temps, donc je m'en fous. Alors, avec Thaïs. Avec Thaïs ? Avec Thaïs, c'est mort. Non, toi, c'est mort. C'est mort. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que peut-être et tout. Oui. Ah bon ? Oui, mais j'avais pas entendu ça depuis. Ouais, mais au pire, tu vois, je vais à la salle. Là, elle l'a bien dit, hein, les hommes. Non, mais au pire, je vais à la salle, je perds mon gras et tout, tu sais. Je lui dis, oulala, j'aime pas les bougnoules, tu vois. On sait pas, tu vois, tu sais. J'utilise son dialecte, tu vois, tu sais. Après, elle va me dire, oui, mais t'es un bougnoule, toi, tu vois. Ouais, mais non. Non, bien déguisé, ça passe. Ouais, mais il va falloir que je lui fasse. Il y a du boulot, je vais pas te cacher. Incroyable. C'est fabuleux, tu sais. Mais elle risque de me cramer quand même, tu sais. Enfin, bref, on reprend. Let's go. Elle va te cramer un moment. Bah ouais, mais moi et ma tête d'Afghan, si tu veux, tu sais. Pour eux, je suis un bougnoule, hein, en ce moment, tu sais. T'essayes de leur expliquer, mais oui, mais en fait, ça colle pas géographiquement parlant. Ils disent oui, mais c'est pareil. Ah d'accord, ok, très bien. Nous n'avons pas le choix. Sans ce sursaut. Ah, il est paristan, hein. Oh putain, mais vous avez raison. Vous avez raison. On fait une white face. Vous me teindez en blanc. Je paye 300 balles sur le Tipeee de Thaïs. Je prends un café avec et on prend la GoPro. Et je lui dis que je suis afghan.
l'invasion migratoire s'intensifiera. Nos familles continueront de s'effondrer et le virus woke se répandra sans opposition. Le virus... Oh, putain, non mais frère, t'as vu le plan ? Regarde le plan ! Il y a un mec qui a un masque respiratoire aux couleurs du drapeau LGBT. Nos familles continueront de s'effondrer et le virus... Qui a fait ce plan ? Je n'ai pas la tête du JDG jaune. Regarde, c'est le petit frère à JDG. Oh, putain, c'est vrai, on dirait le regard de Frédéric. Mais oui, on dirait le regard de Frédéric, mais en plus jeune. En plus jeune. Tintin. Alors, alors, monsieur Mola ou monsieur Mola. Hein on a de la... place la famille. On place la famille chez madame Descufon. Pour la youtuberie. Hein c'est... Ah, on connaît. Le népotisme... Le népotisme n'a donc aucune limite dans la youtuberie. C'est... Bruce Woke se répandra sans opposition. Sans parler du grand remplacement, ce sera la fin de notre civilisation. Alors, que puis-je faire, moi, face à de tels enjeux ? Vous proposez un scam à 20 balles, histoire que tu dises « je peux vider mes couilles ». Je décide de passer à l'action. J'explique ma position à contre-courant sur le féminisme dans une vidéo de mise au point fin août. Je l'intitule simplement « Pourquoi je ne suis pas féministe ». Elle fait immédiatement un carton et bat le record de vues de ma chaîne. J'ai compris la vidéo qu'on est en train de mater. Il faut qu'on fasse pareil. Non mais j'ai compris la vidéo qu'on est en train de mater. Tu te souviens de la vidéo du Raptor où il faisait un récapitulatif où il se branlait un peu sur lui et qu'à la fin il disait j'ai un projet pour tout changer. Bah là c'est ça. Là elle est en train de se lustrer le poireau et puis à la fin elle va dire mais voilà c'est bon. Les réactions sont aussitôt très enthousiastes. C'est dithyrambique et j'ai appris le mot hier. Hommes et femmes, les témoignages positifs affluent, signe que j'ai touché juste. Dès lors c'est décidé. Je souhaite contribuer au réveil de mon peuple en leur offrant les outils intellectuels le réveil de ton peuple psychologique nécessaire pour mettre un terme à la guerre des sexes qui détruit notre pays. Mais t'es en train... Mais ton projet, c'est que tes abonnés ils fassent des leuleux. C'est de quoi tu parles ? Viens pas me dire en mode oui, mais c'est pour la grandeur de mon pays. Meuf, tu veux juste caler tes incels ? C'est une... Bonsoir, Antox Montana. Antox Montana, il arrive le moment où je dis à Thaïs qu'elle veut juste générer des leuleux. Bonne chance à toi pour rattraper les wagons. Hein. C'est... Oh mince, j'aurais pas dû faire cette vanne vu qu'elle est d'extrême droite. Continuons. Grand remplacement, grande séparation, même combat. Forte de cette conviction, je me lance dans la réalisation de vidéos et d'articles explorant différents aspects de la masculinité, des valeurs traditionnelles et des relations hommes-femmes. J'aborde des sujets tels que la communication, les noirs, les arabes, on connaît Thaïs, oui. Le rôle des hommes et des femmes dans la famille, les noirs, les arabes, oui. Fraternité et la manière de construire des... Les noirs, les arabes, les poires et les arbres, on connaît, oui. Relations saines et équilibrées. Je résume mon combat en une seule phrase. Les noirs et les arabes, voilà. Pour sauver l'Europe, chaque Européen doit conquérir sa femme de haute valeur. Bien sûr... Oh mon Dieu, vous le sentez, elle va dire FHV. Ah, je le sens. Ah, mais... C'est comme la théorie des anciens astronautes. Hein. Non, pour moi, elle va le dire. En fait, t'aurais traîné avec des connards qui bossent dans les teams éditoriales de TF1. Tu comprendrais le genre de réflexe que j'ai. Je fais également face à des critiques et des attaques de la part de ceux qui ne partagent pas ma vision. Mais je reste déterminée et convaincue de l'importance de mon combat pour préserver notre civilisation. Et pour sucrer vos PEL, bande de couillons. Et nous réapproprier notre héritage culturel et historique. Mais j'ai réalisé qu'il manquait quelque chose. C'est bien de vouloir briser l'isolement avec du contenu théorique et des clés de compréhension. Tu vas faire des TP, c'est ça ? C'est parce que là, Pierre, il est intéressé, là, d'un seul coup, tu veux. Mais ce qu'il manque... Et après, moi, pour la YouTuberie, je vais me sacrifier aussi, hein. C'est du concret. Alors... Que faire ? Du concret ? Voilà ce que je sais faire. Diffuser des idées opérationnelles et rassembler des gens dans une communauté. Ça, c'est un skill ? Pour passer à la prochaine étape... Attends, tu sais faire quoi ? Diffuser des idées opérationnelles et rassembler des gens dans une communauté. Ok, Raël. Pour passer à la prochaine étape, il suffit de faire la même chose, mais... Pour faire des séances ciné. Ouais. Je veux libérer les hommes de mon peuple de la solitude. Et tu comptes les pignoler tous un par un ? Ça se passe comment ? C'est pour cela que j'ai décidé de créer un espace communautaire. Elle a créé un Discord ? L'espace lui-même est virtuel. Et démerdez-vous entre vous. Ça va fort bien, Antox. Et toi ? Pas tout à fait, comme on le verra plus tard. Ah, c'est pas tout à fait virtuel ! Le métavers ! Mais il fonctionne exactement comme une communauté physique. À l'intérieur, nous pouvons échanger sans filtre et sans censure entre nous. Franchement, je vais être honnête. Bonjour, je m'adresse à toutes les influenceuses qui ont des mimes, des OnlyFans et toutes ces conneries. Vous chopez un accès à ce truc VIP et toutes ces conneries, vous allez là-bas et vous allez faire votre pub, les meufs. Vous allez vous faire un plus 800%.
franchement, là, en moins de 5 minutes, ça va être incroyable. Okay. C'est, je suis désolé. Si vous avez un OnlyFans, un mime ou quoi que ce soit, c'est le moment, vous avez pas compris. Elle est en train de réunir les plus gros dalleux sur un Discord. C'est faut absolument que vous preniez le truc à 20 balles. Vous allez là-bas et vous dropez votre meilleur lien d'OnlyFans. Mesdames, faites-vous de la thune. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Afin de nous tirer vers le haut, c'est non seulement un lieu d'échange, de partage où chaque homme ou chaque femme pourra se sentir entendu. Oh, et... putain, mais. J'ai deux potes qui ont des OnlyFans, je leur envoie un message tout de suite. Compris. Mais c'est aussi une façon pour moi d'être connectée en direct avec ma communauté pour partager les mécanismes de la psychologie des sexes de façon encore plus approfondie. C'est la prochaine étape si vous aimez regarder mes vidéos. Ma chaîne YouTube, c'est la... Vas-y, Axia, on est chaud. Porte d'entrée pour conquête de valeur. C'est une façon de... Conquête de valeur ? Oh mon dieu, non, sérieux ? Trouver tous ceux qui pensent comme vous et qui ont faim de libérer leur potentiel. Ah oui, ils ont faim de libérer leur potentiel, on a compris, ouais. Pour construire une relation sur mesure. Et comme je serai présente tous les jours dans la communauté pour répondre à vos questions. Oh, c'est le paradis des sims. Il me prend un accès à ce truc là que je l'envoie à deux potes là. C'est aussi une façon pour vous d'avoir accès à qu'elle passe de 4000 balles par mois à 12000 là, sans déconner là. Contenu exclusif sans avoir à attendre une semaine entre chacune de mes vidéos. Alors, voici ce que je vous propose. Rejoignez notre communauté. Participez à nos discussions, profitez de nos ressources et échangez avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous. Ça fait très raélien quand même. Hein. Ensemble, nous pouvons apprendre, grandir et réussir. Et voici ce que vous allez obtenir. Une FHV. Une meilleure compréhension de la psychologie féminine, un soutien constant de la part de la communauté et des... Pardon ? Attends, quoi ? Des outils concrets pour améliorer votre vie sentimentale. Répare vos chiottes et salles de bain, cuis vos raviolis à la perfection. Oh, bonjour mon djedou ! Bonjour mon chien ! Bonjour bébé ! Attends, viens, 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 viens. Viens dire bonjour à la caméra. Coucou, coucou, coucou. Dis bonjour à la caméra Jedi, dis bonjour. Mon oui, bébé. Je peux me mettre un retour. Mon oui, bébé. Ça va ? Ça va ? Mon oui, allez. Mon papa ! Il est tout choupi. Allez. Tu veux sortir, frère ? Ah, laisse-moi finir ça, s'il te plaît. Tu veux sortir ? Ah, je peux pas lui dire non. Pierre, je te laisse la vidéo, je reviens. Ouais, vas-y, let's go. Laisse-moi Thaïs. Dans cet espace communautaire, vous allez bénéficier des 5 atouts suivants. En premier lieu, la force d'une communauté. Imaginez compter sur des frères pour vous épauler dans votre quête. Trouvez inspiration et encouragement au sein d'une communauté. Quoi ? Attends, quoi ? Mais putain. Jedi, je te promets, j'arrive. Vous pouvez trouver des frères. Trouvez-vous des frères. Putain. Communauté d'hommes partageant vos valeurs et vos aspirations. Ensemble, vous formerez une force inébranlable, prête à affronter les défis. Bah si, ça va se branler quand même sec. Question-réponse avec moi-même. Comment mon combat pour donner aux hommes une femme de haute valeur va vous servir concrètement et immédiatement ? Participez aux séances de questions-réponses réservées aux membres et posez-moi toutes vos questions pour approfondir votre engagement et enrichir vos connaissances sur la psychologie féminine. Aucun sujet n'est tabou, je vous répondrai avec franchise. Troisièmement, un accompagnement pour aucun sujet n'est tabou. L'espace communautaire vous apportera des conseils et des outils pour vous aider à améliorer vos compétences sociales, mais pas seulement, et naviguer dans les relations hommes-femmes. Que vous soyez en quête de l'âme sœur ou désireux de consolider une relation déjà existante, je vous aiderai à construire des relations saines, épanouissantes et durables. Quatrièmement, des conseils et des analyses sans censure. Sur YouTube, je ne peux pas dire tout ce que je veux. Sur mon espace, oui. Je vous offrirai des conseils de développement personnel et des analyses sans censure. Alors pas de blabla, je vous donnerai également des conseils actionnables pour trouver une femme de valeur afin de fonder votre famille. Oh, et enfin, cinquièmement, des ressources et du contenu exclusif. En rejoignant notre communauté, vous aurez accès à une mine de ressources et de contenu exclusif, soigneusement sélectionné pour vous aider à devenir celui qui la mérite. Articles, vidéos, podcasts, tous ces formats vous apporteront des enseignements précieux et des conseils pratiques pour progresser sur votre chemin vers l'excellence et mettre définitivement la solitude derrière vous. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous devriez faire confiance à une femme pour une telle tâche. En tant que femme, je peux exprimer haut et fort ce que j'ai pas entendu dire FHV en moi, sans être taxée de misogyne, et les libérer des schémas de pensée de la dictature féministe. Et surtout, je peux expliquer aux hommes les mécanismes réels de la psychologie féminine afin qu'ils réussissent à créer des relations sentimentales durables. Quel est mon intérêt à le faire ? Déjà, je suis profondément attaché au destin de mon pays et de mon peuple. Voir les ravages de la solitude et des relations instables m'est insupportable. Et si vous ne me croyez pas, j'ai un deuxième intérêt à le faire. Gwen, je veux vivre dans une France développée, paisible, et où je ne risque pas de me faire agresser gratuitement dans le métro parce que ma robe serait trop courte. Et pour ça, il faut que la France soit peuplée de Français, et notamment d'hommes solides qui sont prêts à la défendre. Mais ce n'est pas tout. Oh merde, la communauté le cliché de valeur n'existe pas que sur Internet. Vous rêvez d'un moment unique, du en dehors du virtuel, où vous pourrez
souhaitez partager votre vision et vous nourrir de l'expérience de ceux qui sont dans la même quête que vous, participez à une soirée annuelle exclusive organisée par moi-même et profitez de cette opportunité pour échanger avec des invités mystères soigneusement sélectionnés qui enrichiront les échanges au cours de la soirée et moi-même. Plongez dans une ambiance fraternelle et inspirante où vous pourrez nouer des liens solides avec d'autres membres de la communauté et vivre des moments mémorables. Alors, si vous en avez marre de réécrire votre bio Tinder, marre de suivre les conseils nuls et contradictoires de votre entourage, marre d'enchaîner les nuits tout seul ou les relations instables, si vous voulez vraiment comprendre la psychologie féminine, améliorer votre confiance en vous et ainsi devenir respecté et attirant, et donc développer des relations saines et épanouissantes, alors je vous invite à rejoindre notre communauté. C'est un espace sûr et bienveillant où vous pourrez vous exprimer, échanger avec les femmes de ma communauté et apprendre ensemble. N'attendez plus, le temps est venu de reprendre les choses en main, de comprendre les femmes et de transformer. Tu sais que ça, à quoi ça me fait penser? C'est en voix haute au 3615 pour trouver les femmes de ta communauté. Surtout quand elle est là, mettre en avant qu'il y a des femmes dans sa communauté. Ouais, mais je me demande combien il y en a. On aimerait bien voir les femmes de ta commu, meuf. On met votre vie amoureuse. À travers ma chaîne YouTube. C'est comme les fameux mecs adultes et coubertins. Parce que là, elle est en train de vendre ses copines. Hein, oui, oui, grossièrement, là, elle a un harem de potes qu'elle n'arrive pas à caser. Et elle est comme ça en mode, mais j'ai 3 simps, moi, là. Il y en a bien un qui va faire le taf, non? J'ai déjà impacté des centaines de milliers d'hommes avec mes vidéos. Notamment, pourquoi je ne suis pas féministe. 330 000 vues à ce jour. Pourquoi ces hommes sont destinés à être malheureux? 400 000 vues. Et c'est la première fois que je vois une meuf faire un concours de taille de bite avec des vues. J'adore ça. Pourquoi ces hommes veulent bannir les femmes de leur vie? 390 000 vues. Et belle bite, Thaïs, belle bite. Et c'est la tienne en plus. On peut lire. D'habitude, je dis lâche cette bite, c'est même pas la tienne, mais là, c'est la tienne. La plupart des coach en séduction facture l'accès à leur espace privé entre 150 et 300 euros par mois. Mais ce n'est pas... Oh non, elle va pas faire ça. Combien? Attends, combien? Attends, quoi? Espace privé entre 150 et 300 euros par mois. Combien? Ouais, je sais à quoi tu penses. Alors, vous êtes combien sur Discord en ce moment? Attends, bouge pas. Bouge pas, je fais le truc habituel. On revient, hein, on fait juste un peu de mathématiques. Alors, on vient de réfléchir et tout. Et je pense qu'on va créer un espace safe dans la communauté. Pour que je vous apprenne à devenir des vrais ratons dans votre vie. Des meilleurs ratons. Comme ça, vous serez un RHV, un raton de haute valeur. Et du coup, voilà. Donc, j'ai un PDF à vous proposer. Chef, il y a plus de 300 personnes sur le Discord. Oh putain de ta mère. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est que, en fait, je vais pas vous proposer une offre qu'il faut rejoindre. Moi, je vais être plus fourbe. Moi, je vais vous dire que vous avez déjà rejoint et que vous me devez de la thune. Oui. Du coup, en fait, exactement. On va cliquer sur chaque profil du Discord. On va et voir. Pour Surdog, ça va être un peu plus cher que pour les autres. On va voir l'ancienneté et du coup, on va multiplier ça. On va prendre une fourchette large entre 150 et 3000. Ouais. Entre 150 et 3700 euros. Comme ça, c'est l'Apple Vision. Chaque année que vous avez commencé, qui était pas finie au moment où on l'a décidé, elle compte double. C'est ça. D'ailleurs, dorénavant, ma méthode d'engager des modérateurs va considérablement changer. Dans un premier temps, en fait, vous droppez des subs, oui. Et ensuite je vois si je vous engage. Oui. Ouah, j'ai la ref. J'ai la ref aussi. Du coup, voilà. Du coup, par exemple, prenons quelqu'un au hasard. The Ironic Mask. Oui, vous paierez à la ligne maintenant. Alors, The Ironic Mask. Alors, le Discord. Comment ça? Ironic. Il est pas dessus. Ok, toi, ça va. Alors, attends. Roi des zombies. Roi des zombies. Oula, roi des zombies. Oh, le PEL. La vente de sa maison. Roi des zombies. Roi des zombies piétons. Roi des zombies, il est là depuis le 15 août 2023. Je vais vérifier sur l'ancien Discord parce que oui, c'est rétro-compatible et tout. Donc du coup, Roi des zombies, tu me dois 2 Apple Vision Pro pour demain. Mais ce n'est pas le prix que je vais vous demander. Pour ma part, parce que je veux que ce soit accessible. Ah, c'est pas... Attends. Oh, attends, 2 secondes, on avait mal compris. Elle est en train de nous dire... Ça devrait coûter entre 150 et 300 euros. Oui, c'est ce que je te disais, c'est pire. C'est pire, c'est qu'elle fait de la comparaison par rapport aux autres, tu vois. Ils sont trop chers, ils vous escroquent. Mais moi, ça va. C'est incroyable, attends. Au maximum d'entre vous, j'ai décidé que mon espace communautaire ne vous coûtera que 19,90€ par mois. 19,90€ par mois? Avec le petit bruit de cash-money, oh non. C'est un gag. C'est un enfant qui a fait le montage. Mais elle a ouvert son OnlyFans.
Attends, il y a Extiam qui dit quelque chose. Non, elle vend 50 euros le mois ou 500 euros. Pardon ? Attends, comment ça, mon ref ? Comment ça, 50 euros ? Attends, tu sais quoi, j'enlève le bonnet, quoi. Quoi ? Qu'est-ce que. Quoi ? Attendez, quoi ? Ouais, ça fait des mois que vous m'avez pas vu sans bonnet. Quoi ? Qu'est-ce que quoi ? Oh, cette chevelure arrogante. Oui, non, mais c'est. Attends, putain, cette mèche à la con. Voilà, c'est bon. Là, c'est mieux. Quoi ? Comment ça, meuf ? Pourquoi ? Extiam dit qu'elle a été voir son truc, là, et que c'est. J'ai fait tomber mon bonnet. Il nous faut le lien ! N'importe quoi. Salut, toi. Comment ça va ? Patcholin, Patcholine. Il me faut le lien de ça. Voilà, c'est incroyable. J'attends dans mes MP. C'est fabuleux. Comme ça, t'es bien, là. Voilà, comme ça, t'es bien. Incroyable. Ok, continuons. Oh putain, mais je vois plus l'écran. Casse-toi. Putain. Ah merde, il est tombé. Reprenons. Retiens-moi cette photo. J'arrive plus à arrêter les mêmes. Laquelle, la photo ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je vous envoie le lien. Chazel, t'es bonne. C'est vous qui êtes bonne. Ton cuir respire enfin. Oui, tout à fait. Ouais, ils en avaient parlé dans la vidéo d'Antoine Guillard. Non, mais attends, continuons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? 19,99 par mois ? Mais tu payes des serveurs pour que ce soit aussi cher ? Pour enfin réussir à briser votre isolement, ça vaudrait le coup, non ? Vous pouvez penser, non merci Thaïs, je vais me débrouiller tout seul. D'accord ? Est-ce que ça marche si bien que ça ? Pourquoi ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à aujourd'hui devrait miraculeusement fonctionner demain ? La maturité, c'est de savoir mettre son ego de côté. Et si vous tentiez quelque chose de nouveau ? De toute façon, à force d'enchaîner les dates et de toujours régler l'addition, ne pas changer de méthode va vous coûter bien plus que 19,90€ par mois. Au mieux, vous allez pouvoir vous entourer d'une communauté de frères, percer les secrets de la psychologie féminine et rencontrer l'âme sœur. Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'essayer ? Pour moi, ça change pas grand-chose. Sans notre communauté. Moi, ça change pas grand chose. Dans tous les cas, vous allez raquer pour me donner des sous. Hein. Et il n'y a pas de raison que votre situation change. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. La balle est dans votre camp. Vous êtes libre d'accepter ou non cette opportunité. T'as compris, Incel ? C'est soit tu crèves seul, t'habites dans ta main droite, soit tu rejoins Thaïs et hop, tu trouves ta FHV. Ou alors, dans un futur plus proche que vous ne le croyez, quand vous serez à table, à partager un dîner en famille avec votre femme souriante et vos enfants... Oh, ils se diront, putain, merde, j'aurais pu me taper Thaïs. Vous direz que cet investissement dans votre futur aura été un bon choix. Et intérieurement, vous allez rire de l'hésitation que vous avez ressentie avant de franchir le pas. Mais je préfère vous prévenir, je ne vais pas indéfiniment laisser les portes ouvertes à ce prix-là. Oh, c'est une offre limitée dans le temps. Quelle connasse. Il est même probable que je le referme pendant plusieurs mois, le jour où je jugerai que nous sommes suffisamment nombreux. Et quand vous pourrez... D'accord. Donc quand ça pourra bien baiser, let's go. De nouveau vous inscrire, le prix aura peut-être augmenté... Oh, comme par hasard. 19,90€, c'est le prix de lancement uniquement. Rappelez-vous, pour uniquement 19,90€ par mois, vous allez avoir accès à un espace communautaire complet, avec forum d'échange, des vidéos à la demande, un accès à ma chaîne Telegram privée, et la possibilité pour vous de vous joindre à une soirée spéciale en ma présence et celle d'autres invités mystères. Cela va vous permettre de rejoindre... Oh putain, la soirée avec Ben. Je suis pour les gens qui font de l'argent, tout ça, ça me dérange pas. Ah non, mais là, c'est pas le problème. Là, c'est quelque chose sur la misère des gens, quoi. Comme si je vous disais, vous avez tous un vécu difficile dans la commu. Bah, si vous me donnez de l'argent, je vous le résous. Va niquer ta grosse mère la pute, en fait. Une communauté qui vous aidera à atteindre vos objectifs et vous fera sortir de la spirale négative de la solitude. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien dans la description qui va vous amener. Bande de salopes ! Venez vers une page de commande sécurisée. Une fois que vous aurez commandé, vous recevrez instantanément un mail avec vos accès pour notre espace communautaire. Passez à l'action immédiatement et pour ma part, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. D'accord, donc ça c'était le début. Donc ça c'était le début. Très bien, donc on va s'ouvrir les trucs et tout parce que ça a pas mal réagi. Et le premier qui a réagi du coup, c'est Antoine Goya. J'ai lu le livre de Thaïs qui vaut 19,90 mais qu'elle vend 9,90 par bonté de cœur. Il y a 18 pages sans texte avec des images faites par IA ou un titre, voire même rien du tout. Je vous laisse calculer le coût de revient par page, sachant qu'il y a 37 pages en tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi est-ce qu'elle me choisit jamais les mecs bien ? Quoi ? C'est ça le bouquin ? Attends, ça ? Chapitre 1, comprendre la dynamique de dominance. Attends, quoi ? Endurcissez-vous, Nietzsche ? Ah, parce que, attends, on achète du Thaïs pour qu'elle cite du Nietzsche ? Ça se passe comment ? Quel est le projet, quoi ? Imagine, t'es désespéré, tu en peux plus de la solitude et du débat, et tu simpes un peu Thaïs, et tu achètes son e-book à la con, et tu sombres sur ses conseils pour trouver une femme, la séduire et la garder. À ce niveau-là, c'est de l'abus de faiblesse, ça mérite la prison. Chapitre 6, trouver et séduire une femme de haute valeur. Alors, qu'est-ce que... Identifier les caractéristiques d'une femme de haute valeur. Putain,
les gars, c'est libre, hein. C'est maintenant. Hein. Tu notes tout. Hein. À la fin, maintenant qu'on va savoir. À la fin, t'as un QCM, frère, et puis à la fin, normalement, t'es marié. Du coup, valeurs et principes solides. Jusque-là, je suis. Une femme de haute valeur possède un ensemble de valeurs et de principes qui guident sa vie. Chercher des signes de maturité, d'intégrité et de respect de soi. Elle veut fonder une famille et a conscience de s'inscrire dans une lignée. Elle a la volonté de perpétuer un héritage civilisationnel. Elle profite des aspects plaisants de la vie, mais elle ne pratique pas l'autodestruction ou le nihilisme irresponsable. Elle a une intelligence émotionnelle élevée, capable de communiquer ses sentiments et de comprendre ceux des autres. Elle sait communiquer agréablement, éplucher les concombres et faire la cuisine. Excusez-moi, j'ai mal lu. Sans manquer de respect. C'est truc, connard. Non. Genre, j'ai bugué, je fais pardon. Excusez-moi. Sans manquer de respect, elle possède de la culture, sait tenir des conversations de haut niveau intellectuel, sans pour autant se donner un rôle de savante ridicule. Mais c'est marrant, ça correspond pas à ce que tu fais. Être soi-même de haute valeur. La baronne de Rothschild, quoi. Mais c'est de la merde. Vous vous rendez compte que même une notice IKEA, ça donne plus de conseils pour pécho, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Soutien mutuel et croissance ensemble. Encouragez son développement personnel et soyez ouverts au vôtre. Une relation saine implique deux partenaires qui grandissent ensemble. Eh, c'est vrai, ça. Ça, c'est bien, ça. Je suis même surpris de voir un bon truc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bien évidemment, pas de conditions générales de vente. Donc, quand tu lâches 50 balles pour t'abonner à son site qui doit prodiguer des conseils aussi banals que son livre, c'est en toute confiance que tu mets ta CB. Comment on résilie? Où sont stockées les données? Ah ouais. Attends quoi? Sérieux? Attends quoi? Sans le bricolage, quand même. Si. Ah, si. Conditions générales de vente. Mention légale et conditions générales de vente. Mon cher Antoine, c'est là? Je vais essayer votre formule. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? 50 balles. Mais j'ai acheté du shit, moi, en fait, avec ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce serait... J'aime toujours pas ça, toi. Non, mais mes frères, sérieusement, entre l'ebook à la compte Thaïs et un bon gros morceau de shit, je prends du... Et tout le monde prend du shit, frère, de quoi tu parles. Même si tu fumes pas, tu le prends et tu le revends, quoi. plus ça serait dommage de payer pour un ebook qui est accessible directement sur son site si on peut chercher un peu. Quoi? Ah non, ils ont réparé le problème. Indice, pour vous, la maison, ça a été mise en ligne en janvier 2024. Oui, mais ça encore. Bref, droit tarder, ne pas chercher à arnaquer les gens. Challenge niveau impossible. Ils pensaient qu'ils disaient, attends, 37 pages, c'est pas un livre, c'est un fascicule. Est-ce qu'on vous a déjà parlé du livre de psychodélique? Non, mais c'est là que je me rends compte que j'ai été sévère avec tout le reste de ce que j'ai lu dans ma vie. C'est vrai, mon cher Antoine, ouais. Tu as peut-être été un peu sévère. Comme quoi, il suffit de demander, il faut leur mettre un coup de pression et ils essayent de se mettre en conformité avec la loi. J'imagine le mec en sueur qui cette nuit a sué pour virer l'ebook des données publiques et bond 7 pages. Donc du coup voilà, il y a enfin des conditions générales de vente. Gloire à vous. Putain, vous êtes déchaînés. Alors, attends. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Thaïs qui parle à 25 secondes des mentions légales absentes de son site à cause des hackers. Attends, quoi? Quoi? Par contre, ils ont été sympas, les hackers. Ils ont laissé la page pour mettre sa CB. Quelle coïncidence. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et plus globalement, l'espace communautaire, il est toujours en maintenance pour le moment. Mais en fait, c'est dans le meilleur intérêt de notre communauté. Je vais vous expliquer. J'ai été la cible de groupes de hackers et je suis en train de changer de serveur, donc ça prend un peu de temps, voilà. Après, tu vois, vu son niveau de popularité, si moi je me suis pris des vagues de hackers, je peux croire qu'une Thaïs d'Escuffon, elle s'en prend, tu vois. Mais disons que ça tombe bien. Je suis désolée, je vous demande de la patience. Par contre, elle devrait être préparée à ça. Oui, alors si nous, on a réussi à se préparer à ça à force, normalement, elle devrait être préparée. Mais en attendant, on peut déjà de toute façon commencer par interagir ici. Moi, je suis disponible pour échanger avec vous. J'ai vu quelques questions concernant les mentions légales. Ne vous inquiétez pas, elles sont présentes, mais surtout une fois le site rétabli, tout sera en ligne. Elles étaient prévues à l'origine, mais la migration et les attaques des hackers... C'est le grand remplacement encore. C'est le grand remplacement de Doxbean. Ça crée une sacrée pagaille et je ne suis pas forcément maîtresse de tout ça. Voilà, c'était pas vraiment prévu qu'il y ait des personnes qui soient aussi motivées pour descendre mon site. Mais voilà, je sais que ça peut paraître un peu désagréable d'acheter un produit et qu'il ne fonctionne pas, j'en suis consciente. Oui, non, t'inquiète, moi j'achète des V1 d'Apple, je connais. Mais ça va être réglé rapidement, ne vous en faites pas, hein. Je veux dire, on est dessus... Tu peux régler mon AirPod Max aussi, ou ça se passe comment? Depuis dimanche, en réalité. Je vous remercie d'être les pionniers et de traverser cette
cette épreuve avec moi. Ouais, c'est. Plus j'aime bien à la fin quand elle dit ouais, on est dessus, c'est qui on, t'es censée être toute seule dans ton entreprise, j'espère que tu n'as pas fait de travail non déclaré. Après, elle peut, faire appel à des prestataires, mon cher, effectivement, dans tous les cas, ça affiche. Et plus globalement, pas l'espace. Non, ferme ta gueule, par contre. Du coup, il y avait quoi d'autre? Pas Dudu, qu'on salue, bien évidemment, qui disait Croblant sur Thaïs, je ne suis plus de droite car c'est tout des businessmen et des voleurs. Attends, mais t'as pas vendu de la crypto, toi? T'as pas vendu de la crypto en mode shitcoin? Si, voilà, ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il veut, Chico Jaunâtre, là? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Et puis je croyais que les dramas, ça l'intéressait pas. Pourquoi on l'entend toujours ouvrir sa gueule sur des dramas, lui? Il croit qu'on a oublié toutes les dingueries qui sont passées. Bah non, shitcoin, placement de produits foireux, soutien aux dons à Thaïs il y a peu de temps, etc. Donc du coup, allez mon petit Chico, qu'est-ce que t'as à nous dire? On t'écoute. Tac. Alors, je rappelle que c'est un homme accompli, hein, parce que, faut que je vous raconte, j'ai fait une capsule sur Croblant il y a une semaine ou une connerie du genre, et grossièrement, je montrais juste un contre son camp incroyable qu'il avait fait en taclant Usul, en disant, oui, Usul, il a jamais rien fait de sa vie, il passe sa vie derrière un micro. Frère, t'es vidéaste, streamer et t'es rappeur. Dans tes trois métiers, tu passes ta vie derrière un micro. Et y a aucun mal à ça. Moi, je suis texon, si tu veux. Moi, j'adore passer ma vie derrière des micros. Mais typiquement, c'est un énorme contre son camp. Et je me suis mangé mais toute sa commu en mode oui, lui au moins, il est papa, hein. Lui, il a construit des trucs, hein. Et donc du coup, j'étais comme ça en mode bon. Alors, s'il s'est reproduit, alors écoutez, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est soit. Je crois qu'il y a un bot sur Trovo qui s'appelle Pascal, les gars. Je vous laisse agir. Athéiste leur dit donnez-moi de la calorie pour avoir accès au vagin. Ah merde, excusez-moi. Jean. C'est la route de base, c'est le chemin de base, voilà. C'est le cycle naturel de la vie que Thaïs propose. Putain, après Marlène qui cite Spider-Man, maintenant on a Croblant qui cite le Roi Lion, quoi. Sans déconner. Pose à ces hommes de pouvoir enfin goûter, hein. Donner de la calorie pour avoir accès au vagin. Sauf que c'est pas son vagin à elle, mais voilà. C'est catastrophique et franchement, j'espère qu'elle va se manger les dents parce que c'est insupportable, j'en ai marre. Franchement, je ne suis plus de droite. Voilà. Camarade Croblant, camarade Caninjonatre. Je vous le dis, je ne suis plus de droite. Il n'y a que des tarés, il n'y a que des... Doigt gobier manifeste de communiste de tout de suite. Des voleurs, il n'y a que des manipulateurs, il n'y a que des businessmen en fait. Moi, quand j'ai commencé... Ils se foutent de notre gueule, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est... comment ça s'appelle? Je l'avais dit qu'il était plus de droite et on a bien le droit de changer. De quoi? Mes yeux, mais mon zio, ton cabé, vous m'excuserez, mais c'est pas un mélancholiste, hein. Ou alors, moi, je suis blanc, hein, mais bref, continuons. Du coup, PTDR, on est 81 chanceux en live privé avec Thaïs. Norage, les Pucix, ce soir, je baise grâce au conseil de la reine Thaïs, tu veux. C'est bien évidemment. Et donc, du coup, moi, j'ai vu ça, mais j'ai jump dessus. Je suis allé le voir, je fais, mais donne-moi ce putain de lien, qu'est-ce que c'est que ça? Pas Dudu. Et pas Dudu, il m'a envoyé le lien. C'était d'un chiant à mourir. C'était un live, en non répertorié et tout le bordel. Et en fait, elle a juste sorti son pamphlet habituel en mode les valeurs d'antan et tout. Tu sais, meuf, t'as pas connu le modem 56K, qu'est-ce que tu viens me parler de valeurs d'antan? Tu sais, je ferme ta gueule. Ça fait 15 minutes qu'elle explique pourquoi c'est pas une arnaque. Ouais, c'est vrai, c'est un peu ça, quoi. On va pas se mentir. Hein. C'est n'importe quoi. Et donc, du coup, merci, pas du stream. Hein. Du coup, comme vous pouvez le voir, le Chase Listan était présent, bien évidemment. Hein. Toujours là, toujours vivant. Toujours debout, il fallait qu'on salue notre. C'est une nation voisine, hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc, j'ai salué en votre nom le Simpistan. Fallait trouver un nom et j'avais pas le temps, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Mais du coup, voilà. Donc, du coup, on souhaite bien du courage à Thaïs qui se lance dans une nouvelle aventure. Hein, et puis basta. Attends, bordel. De quoi déjà? Elle est plus jeune que moi et puis elle vient de Toulouse. Oh, ça y est, il y a le chauvinisme toulousain qui va popper là. Sur Doc, on a déjà discuté. Tu arrêtes ça tout de suite. Non, mais dis donc là, qu'est-ce que c'est que ce machin là? Il y a quand même un océan entre le Chaiselistan et le Simpistan, tout à fait. Ça s'appelle l'océan Atlant Simp. Wouah! Bien aimé. J'en peux plus.
Eh, ça va être l'heure de couper, hein. Déjà, j'ai plus de bonnet. Déjà, on va commencer par là, si tu veux, tu sais. Ouais. C'est, ah, ça me stresse. Ça me stresse, mais en même temps, il me cassait les couilles, le bonnet, là. J'en avais ras le cul, là. 4 heures que je le porte, là, frère. C'est un peu comme le Vision Pro, si au bout d'un moment, le poids. Parce qu'il y en a, ils croient que c'est une peluche. C'est un raton mort. J'ai jamais compris pourquoi les gens disent, oh, il est tout mignon. C'est, bref. Avant de finir, on va aller checker les mèmes, quand même. Hein, ce serait con de passer à côté de ça. Oui. Alors, du coup, tac, 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 tac. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, goûter l'algorithme ou nous lancer sur Kick ou sur Trovo, bien évidemment. Et donc, durant la fin de cette capsule, nous allons voir les mêmes. Donc, du coup, on commence par Dolores Fiona. Quand j'essaye de comprendre pourquoi. T'as pas demandé pour la Soonboard ? Mais on le fera à la fin. Ah, d'accord. Non, t'inquiète. Dolores Fiona qui disait, quand j'essaye de comprendre pourquoi mes simps disent ocre. Oh putain, ah ouais, on a pas le temps. On a pas le temps. J'essaye de comprendre ce que je dois dire pour faire raquer mes simps. Ah ouais, vous avez pas le temps. Je viens de faire mon mème et je risque encore d'en prendre plein la tronche. On va ouvrir quand même. Qu'est-ce qu'il dit ? Y a pas de mème, Pulco, je suis déçu. Du coup, quand tu sors ta Visa Gold. Qui a fait ça ? Je veux un nom. C'est Typhus. Bravo, Typhus. Ah putain. Si je fais cette tête, ils vont tous repeindre leur écran. Oh, mais non. Mais non, c'est vrai, mais quand même. Je ne cautionne pas, mais ça me fait rire. Vous êtes ingérable. C'est pas possible. Vous êtes ingérable. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est ? Pierre qui ne sait pas, qui ne s'est pas fait avoir sur Space Engineer en plein live. Oui, ça peut ressembler à ça. Moi, comprenant que j'aurai de la bière ce soir. Oh putain, le code patch 10 fonctionne. Le code patch 10 fonctionne bien. Ah Ben, ils m'ont rapporté combien c'est con ce mois-ci. J'en peux plus. Johan, viens en tête. Ouais, je peux pas refuser, rien que pour le casting et pour la vignette qu'on pourrait, pour la capsule qu'on pourrait faire. Thaïs, elle me propose un date, tu vois. C'est de toute façon, à mon avis, je suis le seul Afghan avec qui elle pourrait avoir un date, étant donné que je suis à sexe, tu vois. C'est... Mais pas en danger. Par contre, un raton peut en cacher un autre. Bonjour, je suis Pierre. Ah oh, putain, vous êtes Pierre. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Ne me demande pas ce que je fais ici parce que tu vas pas aimer. Ah ouais, bah ouais, j'imagine bien. Donc du coup, Johan vient en date. Tu veux sortir avec moi ? Ça fera 20 balles par mois et je fais un tirage au sort tous les mois. J'en peux plus. Oh putain, c'est pas possible. Ça serait du génie. Et ça, c'est Thaïs devant notre live. Ah, j'en peux plus. Ah ouais, non, la grosse flemme. Venez, on parle pas de drama et toutes ces conneries, si tu veux, tu sais. Et en plus, j'ai vu que ça partait de l'Asio Claudie. Mais putain, mais l'Asio Claudie, c'est des copains. Arrêtez de casser les couilles sur des sujets. En plus, la pauvre Maïté, par exemple, Maïté, elle est bodo chez Zio, tu sais. T'es là pas dans une situation complexe. C'est juste passer du bon moment et déconner. Non, je les ai vus parler là dans le chat là. Bref, vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, combien d'algorithmes ou nous rejoindre sur Kick ou sur Trovo. Et puis Pierre, Soundboard. Oui. Vas-y. Oui. La salle. Mais enfin Pierre. Mais enfin Pierre, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais je me suis trompé de bouton. Comme c'est bizarre. Ah merde, ça empire. Allez, on coupe cette merde. Pierre, comment je coupe ça ? Je sais plus quoi faire. Bouton rouge ! Au revoir.